Bonjour les amis, bienvenue sur Muralis Cuisine. Alors la recette que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est comment faire un riz spécial aux crevettes. J'ai pris 5 à 6 crevettes roses que j'ai découpées en longueur comme ça, en deux. Un oignon en morceaux. 2 cuillères à soupe de petits pois. Du riz déjà cuit pour une personne, voire deux. 2 fois 2 cuillères à soupe d'huile. 2 œufs, du sel pour le goût, demi-cuillère à café de garam masala, 1 cuillère à café du beurre, une petite pincée de graines de fenouil et une petite pincée de graines de moutarde, 2 cuillères à soupe de sauce soja claire, un petit piment sec en option. Dans un wok ou une sauteuse, j'ai fait chauffer les 2 cuillères à soupe d'huile. Puis j'ai mis les graines de moutarde et fenouil, l'oignon coupé, le petit piment sec en option bien sûr. Hop, je les casse en plusieurs petits morceaux et je fais revenir le tout pendant quelques minutes. Puis je verse les crevettes et les petits pois. Je fais cuire l'ensemble encore quelques minutes. En même temps, je mets les 2 œufs dans un bol et je les bats en omelette. Maintenant, je mets bien ma préparation de côté, comme ça, dans un coin. Voilà. Puis, je verse l'huile. Donc la deuxième partie de l'huile, hein. Tu fais bien chauffer l'huile. Puis je rajoute les œufs sur le côté, bien sûr. Je commence à mélanger petit à petit. Comme si on faisait des œufs brouillés, quoi. Dans un premier temps, je mélange que les œufs. Et là, je commence à mélanger l'ensemble. Là, je diminue le feu, je verse le sel et le garam masala. Et là, je mets ma préparation dans un petit coin. Voilà. Je mets le beurre. Hop. Je fais fondre le beurre légèrement. Je rajoute le riz. Dans la foulée, sur le riz, je mets la sauce soja. Dans un premier temps, je mélange le riz soja. Puis je mélange l'ensemble. Donc voilà, pour moi c'est terminé. J'ai coupé le feu, tout ça. Donc ça sent bon déjà. Et voilà le travail les amis. J'y viens de goûter. Trop bon, trop bon, trop bon. Donc, si vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt !